Alors c'est une frégate qui est très polyvalente, qui est un outil qu'on peut déployer aussi bien pour surveiller la mer, maîtriser l'espace aéromaritime, mais c'est aussi une frégate qui est extrêmement pointue et qui a vraiment un domaine d'excellence dans la lutte anti-sous-marine. On avait déjà ce genre de frégate, il y en avait trois qui étaient déjà affectées à Brest, l'Aquitaine, la Bretagne et la Normandie, et c'est une quatrième de ce type-là qui arrive aujourd'hui. Ça ne fait pas plus de monde sur Brest, puisqu'en fait les marins qui étaient sur les frégates d'ancienne génération basculent sur les frégates de nouvelle génération. Mais il fera aussi ses missions à proximité avec le soutien de la dissuasion. Vous avez ici à Lilongue les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et évidemment il faut protéger leur sortie. Et les frégates multimissions ont des capacités de lutte anti-sous-marine qui permettent justement de garantir la sûreté de ces sous-marins en sortie ou en rentrée de patrouille.